Hello, hello les copains, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo outfit de Pull&Bear et Stradivarius. Voilà, on se retrouve. Ça, c'est un top Stradivarius. Voilà, je vais vous mettre les références. Les tops, je les prends souvent en taille S. Voilà, donc le bas, je prends XL. Mais quand c'est du colon et du stretch, je prends en taille L. Voilà, et ce jean, c'est un jean que j'ai eu à ça. Voilà, j'ai pris cette chaîne comme ça qui vient de chez Stradivarius. Comme ça, c'est beau, n'est-ce pas? C'est trop cool à mettre sous le col d'une chemise et tout. Vous pouvez mettre sous le col d'une chemise comme ça, c'est trop une petite. Alors là, je porte le même top. C'est la même chose que l'autre rose que j'avais porté au début tout à l'heure. Voilà, c'est un top de Stradivarius. Ça, c'est une chaîne de chez Pull&Bear. Voilà, donc je peux la mettre comme ça avec un jean et des paires bleues comme ça. Hein. C'est trop trop cool. J'aime rien à dire. Comme je vous ai dit, ce sont des tops que je porte tous les jours pour aller à l'école souvent. Voilà, ce sont des styles basiques de tous les jours. Oh, regardez-moi ça, j'ai rien à dire sincèrement. Il n'y a rien à dire. R-A-S, c'est top. Voilà, en summer, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre ça en summer. Voilà, maintenant quand il fait frais, voilà, vous pouvez mettre un jacket comme ça. C'est même un jacket avec ça. Comme ça, voilà, c'est le même style. J'arrive juste le jacket, par exemple, on est en hiver, il fait frais. Voilà, vous pouvez faire comme ça. C'est une chemise simple, basique. Je l'avais prise aussi en taille L pour que voilà, ça soit grand et tout. Donc si vous voulez, vous pouvez venir attacher comme ça. Pour vous investir, vas-y. Allez se promener au supermarché, mais au centre commercial. Allez aussi à Magic Land, pourquoi pas. Voilà, regardez le outfit. J'aime trop. C'est simple, vas-y. N'hésitez pas à reproduire mes outfits et tout, comme je le dis depuis. J'espère que vous avez entendu, j'espère que vous m'aviez entendu. Reproduisez mes outfits, taguez moi sur Insta, bien envoyez moi un DM. On est godo godo pour la vie, on est godo godo pour la vie. Ou bien les copains, alors regardez moi ce jacket. En plus, regardez l'intérieur, j'aime trop la matière en fait, j'aime trop la matière et tout, voilà. Plus en taille M, là pour que ça fasse jacket. Ça vient de Stradivarius, regardez le outfit, voilà. S'il fait frais, voilà, tu n'as pas envie de t'encombrer, tu fais chanter, tu supportes la fraîcheur et tout. Voilà, tu portes ton cycliste, ton top noir.
Et ensuite, tu mets ton jacket dessus comme ça. Oh, c'est trop chic. Regarde le haut. Bon, c'est trop chic. Là, je porte une chemise comme ça de chez Stradivarius. Et puis le dos. J'aime trop. En plus, si vous voulez, vous pouvez attacher le dos comme ça. Je l'avais pris en taille L comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est cool. Regardez le outfit. J'aime. Genre, tu vas aussi. Genre, tranquille. Tu fais la go, wesh. Je n'ai rien à dire sur le outfit. Aussi. Alors, en bas, j'ai porté un débat de plus cycliste comme ça. Voilà. Rien à dire, rien à dire. N'hésitez pas à reprendre mes outfits et à m'envoyer en DM sur Insta. Voilà. Soutenez-moi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Après, il y a cet ensemble comme ça qui est de chez ces deux ensembles de chez Pull&Bear. Voilà, les deux ensemble. Voilà, c'est chic, non? Surtout ceux qui ont des fortes poitrines comme ça, ça sera trop beau. Ce top, ce jogging, voilà, ce sont mes coups de cœur. Ce sont mes coups de cœur. En fait, j'aime trop la couleur. Bon, je l'avais déjà porté dans une vidéo style, c'est très joli en fait. Après, je vais vous mettre là où j'ai eu les habits, je vais vous mettre ça dans la description. Regardez en fait, c'est trop beau. Regardez le outfit, c'est trop beau, genre streetwear, like, ouais, streetwear. En fait, c'est trop chic. Je l'ai pris en taille M, je crois, c'est en coton. Bon, ça peut aller à une taille S, M et L même. Voilà, j'aime trop le outfit en marron et puis les paires, ça donne le flow, wow. Top, on peut aussi la mettre sur autre chose, un cycliste. Pour faire le strip, je mets ce gros pantalon cargo, pas de tout, chez Pull&Bear. Et puis ce collier là, ce collier c'est un ensemble, il y a beaucoup dedans, donc j'ai porté un seul. Voilà, c'est en taille S aussi. En fait, c'est trop basique, en fait. J'aime trop, j'ai rien à dire. Trop basique. Ce sont des trucs qu'on porte tous les jours. Voilà, l'école, tu peux styler, aller au restaurant. En plus, pour ce temps de chaleur, c'est trop, trop cool. C'est léger. Si vous voulez, vous pouvez mettre un débardeur en bas. Alors, quand moi je sors, je mets un débardeur en bas. Voilà, là, je n'ai pas mis de débardeur. Regardez. Regardez en fait, c'est trop beau, c'est mon mat. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes outfits de tous les jours. Alors là, je porte toujours un jean de chez Pull&Bear. La matière. Top, top, top. C'est de chez Pull&Bear. Je l'ai pris en taille 44 XL. Voilà. Rien à dire. Comme ça, je le montais. Une jean boyfriend, je vais dire. Voilà. C'est trop beau. Regardez le outfit. Voilà. En fait, ce sont des looks de tous les jours. Passe partout en fait. Tu vas au resto comme ça. Tu vas aller à l'école. Genre, vas-y. That is me. That is me. Tell me. I look so cute. So baby. So baby. So baby. Regardez. Ça, c'est un top. Je ne sais plus de chez Zara. Je l'ai il y a longtemps. Ouf. Regardez. Vous savez ce que vous avez à faire, les gars. J'ai besoin de mon soutien. Je vais le répéter N et N fois. Est-ce que ça va? Je porte un top de chez Pull&Bear, un top comme ça, en coton je crois. Voilà, je porte cette petite chaîne comme ça. Voilà. J'aime trop, rien à dire.
des tops basiques de tous les jours, stylé, aller à l'école, au restaurant, tout en fait. Un adjoint en fait, c'est trop chic. Alors, regardez-moi ce top corsé en fait. Waouh, regardez-moi ça, ce pantalon. Ça, c'est en taille S, j'en sais, une matière presque en jean aussi. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Regardez-moi le outfit. Le outfit, genre, c'est trop chic en fait. Regardez. Genre, tu fais bad beach, elles sont cargo. Regardez. Moi, j'aime trop bien à dire. Voilà, tous ceux qui aiment les secours. Je n'aime pas. Quand le pantalon, c'est pas assez gros, je peux aussi s'en faire un sexy, sexy. Voilà. Oh. J'aime trop, rien à dire, c'est trop chic. Présenter mes looks et envoyez-moi des DM, envoyez-moi un DM et tout, c'est trop beau. Ça. Alors ça c'est un jean short cargo que j'avais pris voilà, chez les vieux, voilà, short comme ça, cargo. Comme ça, voilà, j'aime trop les shorts. Regardez les outfits simple, basique. Vous n'aviez même pas besoin de grandes choses. Un top noir, un jean, des baskets noires. Do you guys? Donc j'aime trop les outfits basiques. Ouf, c'est pas facile. Des habits de filmer et tout. Du coup, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de vos soutiens. Les copains, on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Alors, les copains, j'espère que vous êtes toujours là. Voilà, ça c'est un combi short. Je l'ai pris un jour là où je prends les habits, mais la marque c'est de chez Pull&Bear. Comme ça, voilà, c'est comme. Un pantalon, un pantalon, je sais pas. C'est un short en bas et puis il y a ce petit truc dessus. Et tu as l'impression que voilà, c'est une robe. Alors pour te balader, aller au site plaza, aller à Magellan, aller au ciné. Je connais pas beaucoup d'endroits, aller au resto. Voilà, je raconte toujours la même chose depuis. Regarde le outfit. Ouf. Outfits, notez-moi en commentaire s'il vous plaît, notez-moi sur 10, notez-moi pour chaque une sur 10. Je mets un top de chez Pull&Bear, comme ça, un top fleuri. Je l'ai pris aussi en taille S. Voilà, c'est trop simple, c'est chic. Je pense que je l'avais même mis sur une jupe. Je vais vous mettre la photo à côté. C'est trop simple. Basique, regardez ça. C'est trop simple, surtout en temps de chaleur comme ça. C'est des trucs à mettre comme ça. C'est bon. Alors là, je porte un top. De chez Pull&Bear, un top corsé comme ça, regardez-moi ça, c'est trop beau. Je l'ai pris en taille S, je crois. Voilà, là j'ai stylé avec une chaîne que j'ai eu aussi. La une chaîne d'une pochette, je ne sais pourquoi. Voilà, je style avec ça. Voilà, mais regardez en fait, c'est trop chic, c'est trop beau. J'aime la matière en jean. Comme ça, c'est trop chic.
toute façon, je vais vous mettre les références dans, je vais vous mettre les références dans la description et tout. Voilà. J'aime trop. Regardez la combi, c'est très sexy. Très sexy. Voilà. J'ai ajouté une chemise que mon tonton m'avait donnée. C'est moi, mais je les ai coupées. Voilà. Après, j'ai essayé de faire ça avec des aiguilles. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc, le style avec ce jacket. Regardez-moi le outfit. Rien à dire, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Trop beau. Ouais, trop beau. Voilà. Il faut porter pour aller n'importe où. Mais il ne faut pas porter cette combi pour aller à l'école. On s'est compris. Alors les copains, nous sommes à la fin de cette vidéo Try All Stradivarius Pull&Bear. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous êtes inspiré des outfits, même avec les tenues que vous avez touchées. Vous êtes depuis tout à l'heure boutique, la boutique secrète. Numéro 1, c'est une boutique qui ramène des vêtements de marque, Zara, Pull&Bear, et M. Tellement trop de marques en fait. Ils ont Tierge A, Liberté 6, Affaire Dev et au plateau. Voilà, souvent font des promotions. La plupart de ces tenues, je les ai prises en promo. Voilà, je vais vous mettre le lien de leurs Instagram en description. Donc vous allez les suivre, quand vous allez les suivre comme ça, quand ils sont en promo, de toute façon, moi aussi je vais vous informer quand ils sont en promo et tout. Voilà, c'est la boutique secrète. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez des idées de outfit à créer de chez vous. N'hésitez pas à voir les photos quand vous allez recréer l'un de mes outfits. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, auprès de vous abonner, de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager autour de vous aussi. Comme j'ai dit, ça c'est ma première vidéo try all une création de outfit. Du coup, j'espère que je me suis bien débrouillée. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Voilà, merci d'avoir patienté. Bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Pull over.